les étudiants qui s'inscrivent au programme de musique peuvent avoir toutes sortes de cheminements différents. On a d'abord ceux qui font des doubles decks et ceux qui font le deck en musique. Pour ceux qui s'inscrivent dans le programme de musique, on va avoir plusieurs profils différents. On va avoir un profil multi, on va avoir le profil interprétation, jazz, pour ceux qui veulent explorer ce langage-là, et on a le profil théâtre musical. C'est vraiment un programme qui offre beaucoup de possibilités après. Premièrement, ça ouvre toutes les portes, toutes les bacs à l'université qui demandent des prérequis en musique, mais ça donne aussi, ça ouvre les mêmes portes un peu que les sciences humaines. Ça permet après ça d'aller un peu partout où tu veux là-dedans. Après ça, avec tes sciences, tu peux partir, tu peux faire médecine, génie. Ben, t'as premièrement ton instrument principal, que ça, tu le regardes plus en détail, mais t'as aussi un cours d'instrument complémentaire, que ça peut être n'importe quel autre instrument que tu veux. Que tu veux en apprendre plus ou tu veux un peu apprendre à jouer. En musique science, en fait, tu as juste un seul instrument que tu perfectionnes vraiment beaucoup. Mais pour ce qui est de la musique, bien, on a les cours de jeu instrumental. Ça, c'est tous les cours qui ont rapport avec notre instrument, des cours d'ensemble aussi. On a vraiment chacun notre soirée, on pourrait dire. C'est ça, tu as un cours 1-1 avec un professeur, tu as des cours d'histoire de la musique, des cours de formation auditive qui permettent de mieux comprendre la musique en général. Il y a eu cette année un voyage qui a été organisé pour aller en Europe. Le voyage va nous amener en France, en Allemagne et en Autriche. Vraiment content de mon parcours, vraiment content des enseignants que j'ai eus, des enseignants passionnés.